Ok, de retour avec notre équipe, de notre trio, composé du vieux, de diamant et de duo. Hein, on va poursuivre notre petite mini-campagne, on va dire, enfin, liée de trois scénarios là, qu'on a débloqués de manière fortuite. Alors, c'était quoi ces petits scénarios? Ouais, c'est le scénario donc qui scénario numéro 45, le marais des rebelles. Voilà, c'est ça. Le marais des rebelles avec notre équipe de choc qui est donc au niveau 6, qui fait donc des rencontres de niveau 3. Ah, attends, ouais, les cartes sont prises. Par contre, toi. Ouais. Ok, les cartes sont prises. On a des sous. Je voulais améliorer en fait des cartes. Bon, requête de ville, allez. Alors, vous réveillez. Vous êtes réveillé dans vos quartiers par des coups énergiques frappés à votre porte. Vous ouvrez et constatez que l'homme se tient devant vous, vêtu de la tunique du grand chêne. Salutations, commence l'homme. Notre sanctuaire traverse une période difficile et on m'a dit que vous pourriez probablement nous aider. Voyez clairement. Voyez-vous, certaines de nos reliques ont disparu et nous craignons le pire. Nous espérions que vous pourriez nous prêter assistance. Oh bah oui, bien sûr. Votre décision d'aider le sanctuaire enchante le dévot. Lorsque vous arrivez au grand bâtiment, il vous explique en détail tout ce qui s'est passé. En vous basant sur ces informations, vous enquêtez en ville, tâtant le terrain auprès des potentiels receleurs de ce genre de biens. Est-ce qu'on... Bah, on n'a pas débloqué une quête, mais bon, on a dû faire avancer peut-être un état ou quelque chose. Voyons voir nos objets. Bah, tout le monde a des objets. Toi, par contre, ouais, 40. Est-ce que tu pourrais... c'est quoi tes objectifs? 20 monstres différents. Toi, scénario Havre-Nuit, t'en reste plus qu'un. Et toi, ah ouais, l'âge de fléau, les esprits. Donc là, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Est-ce que l'enchanteresse pourrait peut-être améliorer une petite carte? Attaque à plus 2 me dit si je peux pas faire empoisonnement. Confusion seulement. Empoisonnement, ça vaut 50. Hein, il me manque 2 pièces. On verra. Et là, portée 4. On ferait une portée 4. Celle-ci aussi déjà améliorée, c'est pareil. Après, c'est des deux niveaux, donc il peut avoir un déplacement en plus, mais c'est pas très intéressant. Et là, une attaque en plus, ça vaut 100. Une cible en plus, ça vaut 110. Quand même bien ça. Ok, ah bon, bah on va rien faire. On y part. On part au Marais Rebelle. Mission jamais faite. Un trésor. Non récupéré. Notre rencontre. Alors, votre voyage vous amène à passer la nuit au milieu de nulle part. Vous montez le camp et allumez un feu. Il est difficile de dormir hors du confort de la ville. Toujours sur sa garde, à l'affût de la moindre menace qui pourrait se révéler fatale. Heureusement, la nuit se déroule dans un calme total, enfin jusqu'à ce que vous entendiez un bruit de voix qui se rapproche de votre camp. Elles sont basses et étouffées, presque comme le grondement, mais vous distinguez des bribes de phrases. Éteindre rapidement le feu et vous cacher dans les forêts pour observer. Allez, on éteint. Ah, 4 dégâts. Vous essayez de vous cacher et restez silencieux, mais le craquement d'une branche au mauvais moment interrompt la marche des inox qui sortent leur arme et passent à l'attaque. La scène vient au bain de sang. Ok. 4 dégâts. Purée. On commence mal. Alors, à la demande de seigneur démoniaque, vous vous dirigez vers le marais stagnant pour détruire les dernières poches de résistance au règne des démons. Le marais est un endroit inhospitalier où montagnes de fumier et nuées d'insectes renforcent le sentiment général de malaise.
Les rebelles ne peuvent pas sérieusement envisager d'y établir une base permanente. À moins d'user d'une puissante magie, il n'y a aucun moyen d'y construire quoi que ce soit. C'est à ce moment de vos réflexions que vous apercevez les totems purificateurs. Devant vous, un groupe de gardes s'affaire à monter un campement en utilisant ces totems pour nettoyer et assécher les terres alentour. Vous décidez qu'il s'agit de la cible idéale pour porter aux rebelles un coup dont ils auront du mal à se remettre. Si vous détruisez tous leurs hôtels, ils n'arriveront jamais à rendre ce marais habitable. C'est l'action. Ah, il y a les loups. Les loups, ils ont 8 PV quand même. 13 XP, je sais pas si c'est possible. Ok. Ouais, bah là ça va être dur. Toi, tu vas rien faire. D'autant plus que toi. Ah non, c'est pas toi, c'est. C'est l'intendant qui peut régénérer, récupérer des cartes. On a 4 dégâts chacun. Ok, bon. Chaque personnage choisit 2 cartes. Vous optez pour le repos. Ouais. Alors, si un monstre commence son tour à moins de 2 hexagones d'un totem, il effectue soin 2 sur lui-même. Tous les mercenaires commencent avec 2 modificateurs d'attaque de moins 1 supplémentaire. Donc toi, a priori, tu l'as pas, vu que tu dois être immunisé. Toi, tu l'as pas non plus. Par contre, toi, tu dois les avoir. Ouais, je pense. Alors, voyons voir. Il y a des totems purificateurs là? Ah, c'est ça, un totem purificateur. Détruisez tous les totems. 6 totems. Ouais, ils sont quand même assez forts là. Cible tous les adversaires adjacents. Donc déjà, toi. On pourrait peut-être essayer de rester loin. 1, 2, 3. Il faudrait qu'il fasse quand même un déplacement de 3. Ou alors on essaie de jouer le premier et désarmer. 1, 2, 3, 4. Ça dépend comment il se déplace. Là, ouais. Toi, tu vas y mettre ton. Un déplacement de 2. Hein. Ah ouais, donc là. Donc tu vas jouer tôt, toi par contre. Ouais, l'ours. 1, 2, 3. Ouais, l'ours, on va rester là. Ok. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Faire avancer ton ours, il va avancer tout seul. 1, 2, 3, il va rien faire. Ah oui, il va être là. 1, 2, 3, il va venir là. Il va te taper. Mais il y a 4 ennemis là? Ah, j'ai pas vu l'archer, d'accord. Alors je me demande si on va pas échanger les deux archers. Peut les changer et après. Ah, il y a deux archers, j'ai pas vu là aussi. Ouais, ok. Est-ce qu'on échange les deux archers? En plus, ils se soignent. Le totem, il peut se déplacer, je pense pas, hein. Traction poussée échange, ouais, ok. Changer les deux, c'est peut-être pas très intéressant pour l'instant. On va peut-être essayer de taper. Est-ce qu'on. Ouais. Peut-être pour après.
peut taper à 5. On va peut-être garder ça pour tout à l'heure. Ouais, on va peut-être plutôt faire ça. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Quoique, si tu... Tu peux faire des attaques ou pas? Ça, tu pourras attaquer. Ah oui, j'ai mes deux alliés. Mais ils ont riposte, les copeaux. Celui-là, il faudrait, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Peux pas me mettre là, moi? Alors. Ah ouais. Là, ça vaut pas trop le coup, mais tu te soignes. Ou alors, je fais attaquer un allié à portée 2. Non. On va peut-être jouer tard. Ok, on y va. Toi, tu te mets là. Quarante-quatre, cinquante. Les archers y jouent avant. Ils attaquent à 4. 1, 2, 3, 4. Ils vont rien faire. Quoique si. Et eux, ils attaquent. Ouais, ils attaquent. Qu'il faut que t'attaques. T'as qu'à 3. Allez, tu vas reprendre encore un dégât. C'est bon. Ah non, toi t'es pas encore mort. Est-ce que t'as un plus un? Ouais. Y a du zéro, mais bon, avec un peu de chance, tu fais plus un. C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'après... Ouais, tu peux peut-être générer. Est-ce que tu as ta carte pour blesser?
T'as pas. Ah si, attaque à deux. Poussée de. Non. Bon, toi, par contre, t'es très mal. Ah, il est mon adversaire. Ouais, tu pourrais faire ça. Par contre, ouais, il y en a qui devraient être soignés, hein. Il faut que tu soignes. 1, 2, 3, 4, tu peux soigner. Ouais. Et toi, c'est un soin en bas. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais aussi soigner. Mais alors, attends. Est-ce que ça vaut le coup de soigner? Peut-être pas le coup de soigner. Toi, il faut peut-être que tu désarmes. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Trois, quatre. Ouais, tu pourrais désarmer celui-là, mais lui, il va mourir. Peut-être plutôt ça qu'il faut que je fasse. Échanger la position. Peut-être changer ça avec ça. Mais t'as des bottes. Ok, donc tu vas pouvoir faire ça. C'est bon. Et toi, ouais, toi tu vas soigner. 1, 2, 3. Et tu vas soigner en bas. Et en haut. Et attaque à plus 1. C'est pas mal ça. Ou alors tu génères tes loups. Non, on va faire ça. Allez. C'est bon. Pop, 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 pop. Ah ouais, plus 2 fois 2. Heureusement, il avait avantage. Est-ce qu'il va là? Un bouclier de 1, ben c'est toi qui vas mettre ton bouclier. Parce que c'est toi qui vas attaquer. Que je regarde à chaque fois si sur cette carte il me sort pas tout le temps le même jeton. Voilà. Pas mal cette carte, hein. Niveau 6, mais. Adjacent, mince. Pas bien joué là.
Faut lire les cartes. Ah, là, par contre. Heureusement qu'il y avait bouclier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? T'as 4-3 plus blessure, mais là, il n'y a pas. Soin de 3. Ah non, là, c'est pas bon. Immobilisation, ça va pas. Soin de 3. Ah, là, je pourrais me soigner quand même. Et après, il faut que je l'attaque et je le blesse. Ouais, avec un petit avantage. Toi! Changer la position de deux ennemis. On va peut-être échanger. Ouais. Ah là, tu peux soigner aussi. Ah ouais, peut-être pas mal ça. Changer la position avec celle de votre ours. Voilà, et puis après t'attaques tout le monde. Ok, et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Soin, non. Deux alliés invoqués à portée 2. Bien envie de mettre mes deux loups. Et de les faire attaquer. Portée 2. Non, ils peuvent pas. Soin de 4. Allez. Mince, si le bouclier il attaque. Bon, c'est pas grave. Il attaque que lui. Oh là 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 là. Ah oui, mais t'as pas. Ah, tu peux juste aller là. Oh, il s'attaque à 5, on va peut-être le stunner. Hein. Ouais, mais il va se soigner, il va enlever sa blessure. Ouais, que ça sert à rien. Là là. On prend 3 pièces quand même. Au moins, il a pas. À toi. Toi, malheureusement. Toutes les attaques ciblant vos alliés invoqués et vous-même subissent des avantages. Non.
Est-ce qu'on a des cartes après pour jouer tard? On va peut-être récupérer ces deux cartes là. Toi, il faut que tu joues super tôt et changer la position de deux ennemis. Là, à mon avis, ils sont morts. Mais il va falloir que je soigne. Allez. Mince, ils jouent tous les deux avant. Une carte. Alors. Oh, pas cool ça, hein. Là, c'est vraiment partie difficile. Là. Le départ. T'as qu'à 3 portées 3, ouais, y'a rien. Non. Ah, je pourrais être à la portée 4. Ah, portée 2 effectue une attaque, donc ça c'est pas top. Ah oui, il n'est pas portée 2. J'aurais dû me déplacer.
Un charcuteur, un charcuteur. Ou alors on commence, il faut tous se détruire, hein. Empoisonné. Ah! Ouais, c'est pas grave. Ah, est-ce qu'on... Ouais, tu peux aller là. Normalement, repos long. Qu'on rentre ou pas? Alors, où est-ce qu'on va? Pourquoi il bouge pas? Mince. Ah ouais, j'étais pas. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on jette? Toi, par contre, il faut que tu gardes tes soins là. Oh, même si celle-ci, pas mal de soins. Allez, celle-ci. On fait un repos long ou un repos court? Un repos long. On va faire un repos long. Et toi, tu vas avancer et tu vas soigner. Tu soignes ton ours. Et tu soignes un peu tout le monde. Haut, en bas. Ah, j'aurais pu me soigner ces trois cibles. J'ai encore pas vu ça. Ça, c'est du lourd, donc ça, je veux garder. Celle-là, le problème, c'est comme il se re-soigne, ça vaut pas le coup.
Là, je pense qu'il y aura peut-être une salle où il y en a deux. Où il y en a deux. Celle-ci, 5 dégâts, ouais, ça peut être pas mal. Là, j'ai 3 portées 3. Ah, on pense ça. Donc, le fait de se soigner, il s'enlevait que le poison. Encore un truc pas bien joué. Alors, qui c'est qui va pouvoir entrer? Alors, qui c'est qui doit rentrer? C'est plutôt toi qui dois rentrer. Toi, t'as 4. Un déplacement à 4, t'as pas plus. T'as un autre déplacement à 4. Et tu peux te soigner peut-être. Ou ouais, t'as pas du. Des armées, peut-être. On va essayer de voir. Donc, tu joues à 13. Toi, les loups vont rentrer. Toi, il te faut un déplacement. Mais du déplacement, t'as rien, t'as que deux. T'as pas de déplacement. T'as aucun déplacement. T'es le seul déplacement que t'avais. Un allié invoqué adjacent effectue une attaque à 1 plus 1. Peut être pas mal ça. À portée 2 peuvent attaquer. Ah, on verra ça plus tard. 25. Et toi, est-ce que ton ours... Ouais. 1, 2, 3. L'ours, il va pas faire grand-chose. Changer la position de deux adversaires. Peut-être pour tout à l'heure. Et l'ours, il peut se déplacer de deux, peut-être. Bon, t'as pas trop de points de vie quand même. Toi, peut-être pas faire ça. T'as qu'à 5 quand même. On va faire ça. À 34. Ah. Ah là, il n'y a que des loups. Pas mal ça. Il n'y a pas d'archers. On va quand même compter parce que... Ouais. Donc par contre... Des armées, ils font quoi? Ils attaquent à 5, ils attaquent à 3. Ah là, je peux pas y aller. Mais je peux aller là. Ah ouais, un allié invoqué. Va peut-être essayer d'avancer. Adjacent. Ouais.
Bah, toi, tu devrais peut-être tuer le truc. Ils attaquent à combien, ces loups? À 3. Donc, peut-être là. Puisqu'ils se déplacent de 2, de 2. Ok. Finalement, ils font pas grand-chose. Ok, lui il est mort. Ça, je soigne quelqu'un. Ouais, je pourrais peut-être soigner mon l'ours. Et est-ce que je génère du vent? Va générer du vent. Faire ça. Ou alors ils se déplacent à 0. Ouais, mais ils ont des ripostes. Ouais, bah tu vas aller là. Pourquoi il peut pas se déplacer là? Ben non, c'est lui. Confirmons la cible. Après, j'attaque à 5. Qui c'est qui joue le premier? Parce que lui, il se déplace de 3. 1, 2, 3. Ah, il faudra aller là. Ou 1, 2, 3. 1, 2, il va peut-être venir attaquer lui. Quoique lui est plus près. Lui, je pourrais le tuer. Lui, sinon, il fait rien. Mais bon, lui, il attaque. Lui, il attaque à 3. Et lui, il attaquerait à 4. Ouais. Ouais, bah on va peut-être faire ça. Ah. Alors, est-ce que j'en déplace un quand même? Ah, lui, je pourrais le jeter dans le piège. Déplace de 2. T'as des pièges à combien? C'est des pièges à combien? Peut-être pas idiot ça. Piège à 5. Ah ben c'est bon, ouais, tu vas y aller. Ah mince. Portée 5. Ah, il n'y a pas portée 5. T'es trop loin. Ah non, annulé. Ouais, j'ai mal joué.
de 8. Donner une carte soin, mais ça. Toi, il va falloir que tu t'approches. Ah ouais, mais tu peux échanger la position de deux adversaires. Ouais, tu pourrais après. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Ah bah toi, tu peux tuer le loup. Ouais, tu vas tuer le loup, toi. Et toi, est-ce que toi, tu peux... Deux alliés peuvent effectuer une attaque, mais peut-être que ouais, les deux pourraient. On va voir. À portée 2, ok. Allons. 19. Ah. Bon, il y en a un qui va mourir. C'est bon. Chien-lit, tu vas attaquer. Ouais. Ouf. Deux dégâts quand même, il a attaqué à combien? Ah, pas de chance. Mon ours il va mourir parce que lui ça doit être un riposte 2. Ouais. Comment on peut faire? Déjà il faut que je me déplace. Ouais, il faut que je me déplace. Ah mais j'ai mes bottes aussi. Ah, on va prendre les sous. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok. Là, il faudrait que je puisse se tuer, lui. Ouais, c'est bon. Bon, mon petit ours il va disparaître, mais c'est bien battu. Sauf que, ouais, sauf que ça. Deux alliés à portée peuvent effectuer une attaque, donc ça me sert à rien. Par contre, il va attaquer qui? Si je vais prendre des sous, peut-être. Six pièces, il y avait deux. Bon, toi, ouais, viens m'attaquer.
ce que je voulais parce que... Ouais, il est porté 3, donc ça peut le faire. Toi, repos long. Et toi, par contre... Par contre, ouais, il faut que tu joues tôt pour essayer de taper immobilisation, soin, ou alors tu soignes. Peut aller sur les sous et soigner. Non, on verra pour après. Allez. Bouclier, attaque à 3, empoisonnement. Je pourrais le tuer, lui, quand même. Ouais, on prend notre avantage. C'est bon. Après, il y a deux. Est-ce qu'elle essaie de l'attaquer? Ah ouais, peut-être celui-là, là. Il faut le taper. Ah, mais t'as que en poison. Bon, c'est pas grave. Allez, on va virer ça. Repos court, allez. Non. Toi. Toi, tu peux soigner. Ouais, tu vas d'abord faire ça et après ça. Toi! Toi, tu vas attaquer. Par contre, il faut que tu te déplaces. Ouais, tu faut que tu avances. Ok, et toi? Et toi, malheureusement, ouais, t'as perfo, ouais, tu pourrais essayer de... Là, tu l'attaques à 2, il a un bouclier. Voilà. Allez, il joue avant nous. Alors, on a dit dans quel ordre? Ouais, d'abord tu te déplaces avec tes bottes. Ouais, tu peux le tuer, toi. Voilà, c'est bon. Et toi, ouais.
Ok, on a fait la moitié. Alors maintenant, de quel côté on va aller? Oh là, il y a du piège. Me demande si... Toi tout seul, ça va pas aller. Toi avec tes deux loups peut-être. Ouais, il faudrait voir. Oui, toi tu voulais soigner. Ah oui, on avait fait annuler. Attends. Déplace. Ah, on va peut-être tous essayer d'aller par là. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Toi. Toi, t'as rien. Mais toi, tu peux encore avancer. Soin de 4, ça, c'est pas mal. Ouais, tu peux te soigner de pas mal, toi. Toi, repos long. Et toi, soin de 4. Ouais, on va soigner tout le monde là. On va voir. Donc toi, tu vas être à 15. Toi, ça vaut pas le coup. 3 cibles à 2. Si, parce que toi, tu vas te soigner. Toi, t'es à 12. Ah non, 15. Ah ouais. Si, c'est possible, allez. Viens toujours. Bon, on soigne tout le monde, allez. Ah mince, mon soin n'est pas bon. Bon, c'est pas grave. Et toi, deuxième carte perdue. Petite carte 1. Ah ouais, mais ça, par contre, ça c'est bien. Ouais, ça, avec ça, c'est indispensable. Après, si j'ai pas des gros déplacements... Ouais, laquelle est pas très intéressante? Ah là, je peux éliminer un edit. Non. Allez, celle-ci. Alors... 1, 2, 3, 4, on va essayer de rentrer. Voilà. 1, 2, 3, 4. Si je rentre que d'un, après, il me faut une attaque de loin. Mais j'ai rien. Un bouclier de 2. Ah ouais, mais là, je voulais éliminer quelqu'un. On va essayer ça. À 13. Toi, bah toi, t'as que ça. Ouais, si tu joues après l'ours, il sera peut-être là. Ou alors tu fais un repos court. Allez, repos court d'abord. C'est pas grave, on l'a détruit. Est-ce que tu peux te déplacer et ta perforation?
On va voir ça ou ça, si on peut le faire. Et toi, repos long alors. Repos long ou repos court? Ouais, repos. Qu'est-ce que t'as des cartes pas terribles? Un repos long. J'aurais dû récupérer des cartes. Ah. Donc là, il y a quoi? Ah, il y a une autre porte. Ah non, il y a un coffre. D'accord. Là-bas, il y a un coffre. On va peut-être pas. Donc là, c'est pas mal. Je peux peut-être mettre des jarres, mais. C'est-à-dire que lui, il se déplace de 1 et il portait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc ça, c'est bon. Si je me mets là. Ouais, on t'a vu. Ah, on va pouvoir les attaquer tous les deux là. Est-ce que j'attaque les deux? Oh, peut-être pas encore. Cool, cool. Laquelle on soit. Ouais, là il va falloir les croiser les deux. Ouais, c'est peut-être pas mal. Ah, il n'y avait pas? Ah, si. Ah non, j'ai pas échange de. Ah, elle est partie. Ah oui, je l'avais. Ouais, je crois que c'était ça. Bon, toi, tu vas peut-être essayer de. Désarmer, c'est pas mal. Bah, celle-là. Vous, il faut que vous commenciez à partir de l'autre côté, hein. Quoique. Et c'est à portée combien, toi? Adjacent, hein. Ok. Toi, tu vas peut-être essayer de tuer ton. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il est super loin. J'ai pas de déplacement à 5. Donc tu vas l'attaquer à 5. Bien invoqué, voilà. Peut-être que ça peut être très utile, mais. Ah oui, là il y en a deux. Ah oui, il en reste deux, ça fait cinq, il y en aura un dans l'autre pièce. Ah ouais. En fait, tu pourrais tuer mon truc. Alors, il faudrait que j'aille tout au bout là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je vois, voilà. Je pourrais le tuer. Il me dit que je pourrais peut-être le tuer. Ouais, comme ça.
Super. Est-ce qu'il peut... Ah non, pas aller là. Puisqu'il me restait deux cartes quand même. Ouf. Pas grave ça. C'est pas grave. Ouais. Ah là, tu vas rien faire. Toi, je me demande s'il faut pas que tu partes de l'autre côté. C'est peut-être la bonne solution, puisque les deux vont se charger de ça. Bon. Après, ici, il y a quand même un coffre. Hein. Pendant votre tour, supprimez un état négatif. Ça peut être désarmé ou immobilisé. On verra. Europe au long. Toi. Et toi? Ah, t'as pas de déplacement. Ah si, déplacement à 4. Bah, tu vas te déplacer, tu vas taper. Ah ouais, tu peux pas taper. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, toi déjà, tu vas faire ça. Tu vas supprimer ton... Ah ouais. Qu'est-ce qu'on gagne? Les sous? Ah, le vieux pile. Modèle d'objet. Parce que c'est. Alors à toi. Ah, mais toi, tu vas attaquer nulle part? C'est pas un ennemi, donc tu vas pas l'attaquer? Ah, mais t'es immobilisé, c'est pour ça. Ok. Changez votre position avec celle de votre ours. Ah ouais, je pourrais l'attaquer. Ouais, comme j'ai mes bottes, c'est peut-être pas mal. Ok, on va pas utiliser bottes. Ah, confirmé. Oui. Et ah ouais, puis je peux me déplacer à deux. Alors est-ce que je me déplace là? Non, je suis. Quoique après, est-ce que j'ai plutôt des cartes à taper moi? Ouais.
Et plus trop de cartes, moi je suis bientôt, ouais, je suis bientôt, là c'est bientôt fini pour moi. C'est bientôt fini pour moi. Donc autant rester là. Ouais, peut-être toi qui aurais dû récupérer les trucs. Récupère de cartes. Qu'est-ce qu'on jette? Ça peut-être. Là, tu pourrais quand même jouer ta carte. Ouais, 1, 2, 3. 1, 2, 3, tu pourrais finir là. Bon, c'est pas très utile. Là, ceci dit, il faut se débarrasser de 1, 2, ouais, on va le taper. Et toi, ben ça, ça. Façon, toi, tu es mort, hein, donc. Après, toi, tu vas pas faire grand-chose. Tu peux juste aller par là-bas. C'est bon. Plus qu'un. S'il avait des effets négatifs. Un repos long après. Ou. Et récupérer, effectuer une action de type soin 3. Non. Ah, on peut encore avancer? Non. Ah ouais, j'aurais pu le. Enfin. J'ai bien envie de récupérer mes deux cartes. Toi, bah, repos long ou repos court? Non, repos long. Ouais, et toi, repos long aussi. De tous tes points de vie. Faudrait pas que je perde de déplacement à 4 là. J'ai deux déplacements à 4. Un déplacement à 6. 1, 2, 3, 4. Ouais, repos long. On n'est pas non plus super pressé. Toi. 4 cartes.
Allez. Passer la capacité, non, tu restes là. Ouais, il pourra se déplacer. Échanger votre position, c'est peut-être pas mal ça. Peut-être celle-ci que je vais annuler. Donc c'est toi qui dois jouer la première. Ah ouais, mais toi tu vas invoquer tes deux loups. 1, 2, ok. Mais tu peux rentrer. 1, 2, tu peux rentrer et les mettre derrière. Voilà. Les rentrer et mettre derrière. Toi. Faut que tu joues après 25, hein, donc peut avancer de 3. Et après, il me reste avec plus qu'une action. Ok. Et toi? Toi, ouais, tu vas pas de déplacement là-haut. Allez, quoique ça. Allez, à toi. Ok, il suffit juste de taper le truc, hein. Mince. Il fait quoi? Attaque à 4. Un allié invoqué peut se déplacer de 3. Alors, 1, 2, 3. Non, ça c'est gêne. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah, échanger votre position avec celle de l'ours. Faire ça.
On peut peut-être essayer d'attaquer qui alors? Est-ce qu'on s'invisibilise? Qu'est-ce qui nous reste comme carte? Nous, on n'aura plus qu'une carte. Celle-ci. Tac à deux. Ouais, on va pouvoir désarmer. Allez! Ok. Toi, t'as ça, il faut que tu désarmes. Toi, il faut que tu joues vite. Et toi, il faut encore que tu te déplaces. 1, 2, 3, 4, 6. Tu peux te déplacer à 6. Mais après, il faudrait éliminer. Après, tu vas encore perdre un tour. Et on va faire ça. Et toi, voilà. Mince, j'ai joué avant. Pas grave. Bon, ça c'est bon. Qui c'est qu'on désarme? D'abord, on va désarmer. Ah, mais il est stun. Il est stun, donc il va rien faire. Si celui-là il est stun, ça vaut pas le coup. Est-ce que... Ouais, j'essaie plutôt d'attaquer celui-là. Ouais. Ah oui, tu pourrais l'attaquer lui. Ok. Toi, t'es à la bourre, hein? Alors, je me demande si on va plutôt essayer de la taper. Ouais, passer. Et toi, voilà, toi, tu vas aller là-bas. Allez, on récupère des cartes. Ah non, c'est quoi ça?
tous vos objets dépensés, mais c'est déjà fait. Ah bah non, ah non, annulé, ça va pas le coup. Ah oui, je l'ai déjà fait. Allez, vite. Repos court. Là, ouais, détruire. Donc le plus rapide. Voilà, là on devrait y arriver. Toi, repos long. Repos long, tu peux rien faire. Toi, à toi rien. En fait, il n'y a que toi qui peux. Alors, toi. Peut-être perdre une carte. Lui, il fait quoi? Il attaque à 4. Ou alors on... Bon, allez, on prend tous les dégâts. C'est pas toi que je voulais que t'attaques. Mal joué. Est-ce qu'avec ça, on peut... Ah, bah j'ai ça aussi. Ouais, c'est bien. Et on peut partir. Y a pas personne. Ouais. Bon. Allez, victoire. Ouf, ben c'était chaud. Vous avez à peine détruit le dernier totem que vos potes commencent à s'effacer dans la boue. Vous dirigez vers la garde, vers un garde gravement blessé, dont le sang imbibe la fange qui l'entoure. Vous le saisissez par le cou et approchez son visage du vôtre pour l'interroger sur l'emplacement du reste des troupes. Je vous le dirai, gémit-il, mais seulement parce que je sais que vous n'êtes pas foncièrement mauvais. Au lieu de nous traquer, battez-vous à nos côtés. Aidez-nous à chasser ces démons de la ville. Dirigez-vous vers l'est jusqu'aux montagnes du gardien. Cherchez au nord du bosquet de frênes. Parlez avec le commandant. Aidez-nous à libérer la ville. Ses yeux deviennent vitreux, vous laissez son cadavre tomber dans la boue. Voilà un renseignement facilement obtenu. Perse, ok. Ok, bon, bah on va arrêter, vite fait. Un petit scénario, ouais, plutôt intéressant, assez compliqué quand même. Avec toute ces ripostes et puis ces archers là que j'aime pas trop. Alors, hop, 2 réputations, moins 10 XP. Ok. Dernier combat des rebelles, c'est ça. Ou la forteresse fantôme. Ah voilà, c'est un des deux. Ok, bon bah on arrête. 20 types d'ennemis. Ok, allez, à la prochaine. J'arrête.